Ce sont des livres nus que je rêve accomplir à présent, sans odeur et sans voix. De funèbres amas de grandes villes ont épuisé mes nerfs. Mes lunes amoureuses m'ont scandalisé, des tentations d'ordures font rougir mes chairs. Des cœurs avec accompagnement de misère m'ont partagé mille fois et mis à l'ombre. Ils ont découpé mes forces de péché. Ma narine a tremblé sur les sexes de sœurs. Et j'aimais le plaisir, mais j'ai sacrifié le séjour au néant, le soleil à l'humide, par amour d'un baiser désert et plus profond, dont ma lèvre était folle intérieurement. La solitude a été mon besoin, probablement mon désir, en tout cas ma destinée. Je l'ai écrit tout au long et d'une façon très précise dans le texte en miroir qui est le journal sans date où j'ai indiqué les principales étapes de mon travail. Et j'ai montré justement que cette solitude a été assez longuement cruelle, mais en même temps très bénéfique, parce qu'elle me préservait de toutes sortes de contacts et de toutes sortes d'influences. Je n'aime pas du tout le jeu des gens de lettres. Il y a là trop d'intrigues, il y a là trop de manœuvres et trop de tactiques. L'exil dont je veux parler maintenant est l'état d'exil intérieur et de proscription pour cause de nature. La conscience de cet état, la mesure de son étendue, ont été mes préoccupations ordinaires. On peut être en parfait état d'exil au milieu des siens. Je sens que je n'ai pas vécu autrement. Je crois avoir de grands besoins d'affection et vous allez être étonnés pour n'importe qui. On obtient ma tendresse et mon aide avec la plus grande facilité. J'ai eu en tout temps des amitiés fidèles et même passionnées. Enfin, toute rupture me coûte et use ma confiance. Il y avait quelque chose d'aristocratique en lui et il voyait la vague de la vulgarité se répandre dans la vie littéraire aussi bien que dans la vie collective. Il en souffrait. Et il essayait de préserver quelque chose qui resta pur et accordé à la plus haute exigence. Qu'est-ce que le destin du poète dans notre société, dans notre monde? Il faut le maintenir, il faut le préserver, fût-ce au péril de la solitude et de l'abandon. Il y a quelque chose comme une urgence première de sauvegarder la valeur de poésie contre un monde qui déserte la poésie. Eh bien, mon enfance marche très bien avec ma solitude. Mon enfance était plutôt triste. Mon enfance était sans éclat et sans aucun rapport avec l'œuvre d'art. C'est ça qui était très curieux. Jusqu'à l'âge de l'adolescence, je ne m'occupais absolument jamais d'une question d'art. En tout cas, je ne pensais jamais à pouvoir moi-même produire de l'art. La radiodiffusion française présente Entretien de Pierre-Jean Jouve avec Michel Manol. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Il me plairait très peu de parler de mon enfance. Si la poésie prend racine dans l'enfance, la mienne a, pour ainsi dire, perdu ses racines. Je suis né à Arras, effectivement, et ne suis pas tout à fait de la terre du Nord. Mon père s'était fixé là pour ses affaires. Il était originaire d'Île-de-France. Quant à ma mère, elle était de Calais, et les noms de sa famille font penser à des ancêtres flamands ou même espagnols. J'aime assez ne rien connaître exactement de tout cela et me sentir de plusieurs régions françaises, mais avec cette parcelle d'influence étrangère, peut-être, qui expliquerait mon besoin d'ailleurs. Dans Arras, que l'on peut aussi nommer vieille ville espagnole, je revois une enfance généralement triste, désagréable, selon les coutumes de la bourgeoisie probe et sérieuse. J'exécrais un affreux collège,
où je prenais les choses avec le plus grand sérieux. C'est un travers que j'ai conservé. Je vous dis en vérité que tout ça est comme enseveli, et j'ajouterai, et ne m'appartient plus particulièrement. De l'âge de 12 ans à l'âge de 25, j'improvisais au piano pendant plusieurs heures par jour. Opération à moi, sans avoir de doigts, naïf plagiat qui me donnait l'illusion complète de recréer. Lorsque je fus abattu ensuite par une crise dépressive pendant plusieurs années, enfermé dans l'agoraphobie et les obsessions coupables, menacé même dans l'autonomie de mon esprit, le développement de l'improvisation au piano fut considérable. Je passais mes jours devant le clavier pour quitter une espèce de grenier où se localisaient mes méditations. J'étais un dandy, élégamment vêtu et assez suffisant de sa personne. Je m'attachais fugitivement à toutes sortes de jeunes filles, gardant mes troubles pour moi, n'avouant pas mes amours, et dans l'état de virginité souhaitable. Il y avait en moi du puritain. Cependant, j'avais déjà connu un amour véritable pour la belle capitaine H, dont nous reparlerons, car l'image de cette femme fut extrêmement longue, et elle devait reparaître bien plus tard dans mes romans. Je lus et je relus, et bientôt tout me fut familier comme ma propre histoire. J'arrivais à Baudelaire. Il est certain qu'alors, un voile se déchira. La poésie m'apparut, la poésie fut visible, quand jusque-là, seule la musique était visible. Quand il est parti de chez lui à 16 ans, il quitte sa mère et sa sœur, mais avec lequel il reste en très bons termes. Il rencontre donc cette femme qui va être sa future belle-mère. Il était tout à fait perdu et très malade. Et elle était protestante et visitait les hôpitaux par charité. Et elle rencontre le regard de ce jeune homme et elle remarque l'intelligence. Et elle le prend sous sa protection. Donc quand elle part en Italie, elle part avec ce jeune homme pour l'aider, comme on pourrait soutenir au jour d'aujourd'hui un gamin paumé que l'on rencontre. Et donc elle part avec ce jeune homme et sa fille, qui elle-même à cette époque-là a 10 ans de plus que Pierre-Jean Jouve tout de même. Et voilà, et au bout d'un moment, j'allais dire Pierre-Jean Jouve épouse sa fille, mais j'allais dire et sa fille épouse Pierre-Jean Jouve presque. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dirait que ces deux femmes se sont confiées le soin de protéger le jeune poète. Les événements historiques peuvent avoir une signification intime. La cassure qu'ils opèrent peut être ressentie personnellement. La guerre de 1914-1918, au moment de ma 30e année, acheva de me dérouter, mais elle commença aussi ma libération. J'étais entré en octobre 1914 comme infirmier volontaire à l'hôpital militaire de contagieux de Poitiers. Et menacé de tuberculose, j'avais été envoyé en Suisse, où j'avais recommencé à soigner des internés français. À ce moment s'épanouissait mon amitié pour Romain Rolland, dont l'attitude à l'égard de la guerre m'avait conquis. J'étais en rapport suivi avec lui. Pendant quelques périodes, je partageais sa vie dans les hôtels où il campait. La passion de l'événement gagnant sur ma pensée m'éloignait de plus en plus cruellement de mon domaine et inspirait des œuvres dont la bonne conscience et la générosité ne tempéraient pas l'affreuse médiocrité. J'étais tombé dans la littérature de combat. C'est donc, si je me représente bien, en 1921 que vous étiez de retour à Paris, désillusionné et dans une nouvelle situation affective. Tout passé avait disparu ou devait disparaître. Or, je me voyais à Paris devant un ahurissant désordre des affaires de l'art, le tohu-bohu qui suivait cette première guerre avec Dada. Au firmament montait aussi Rimbaud. C'était à la veille du surréalisme et chacun parlait de l'autre amont. La peinture cubiste s'installait et la musique mélangeait salades et cabrioles. En dehors de l'estime que j'ai pu éprouver pour la recherche surréaliste, pour son austérité en un sens, et pour quelques personnalités comme celle d'André Breton, je n'ai pas accepté le surréalisme sur des points bien déterminés. Le surréalisme a évidemment beaucoup demandé aux sources inconscientes, mais il en a joué au lieu de s'y attacher avec
une certaine modestie. Il en a joué comme on s'amuse. On a vraiment, dans cette école, on a joué avec la mort et on a joué avec le cadavre et on a joué avec les choses les plus tristes, avec une certaine espèce de jovialité. Et là-dessus, je n'étais pas d'accord. Je sentais que la question de la vie inconsciente était une grosse question, assez redoutable, pour être toujours entouré de respect. C'est à Florence, où j'étais en 1921, et que je sentis pour la première fois le sol trembler sous moi. L'angoisse accusatrice se poursuivit à Salzbourg en été chez Stefan Zweig. Je rencontrais à ce moment précis celle qui intervenait, semblait-il, pour m'appeler et me nommer. Il n'y a pas lieu de décrire ici les péripéties d'un divorce qui s'ensuivit et qui rompit mon premier mariage. Quand Pierre-Jean Jouve a divorcé en 1925, comme sa mère et sa sœur ont dû dire malencontreusement « Oh, écoute, Pierre, tu exagères », parce qu'elles aimaient beaucoup ma grand-mère, Pierre-Jean Jouve a cette réaction extraordinaire de rompre avec les trois, c'est-à-dire qu'il rompt avec sa mère, sa sœur et sa femme. Et il part, je dirais, seul, mais pas tout à fait seul, puisqu'il part avec Blanche. Donc il est encore très protégé par une femme, là. Il sera protégé pendant 50 ans par Blanche. Blanche Reverchon était d'origine genevoise. Elle avait fait des études de psychiatrie et en 1923, elle avait traduit en français les trois essais sur la théorie de la sexualité de Freud. Elle restera toute sa vie une psychanalyste de premier plan. Elle sera notamment, avec Jacques Lacan, à l'origine de l'école freudienne de Paris. Le besoin de s'appuyer sur Blanche chez Jouve était évident. Il se tournait vers elle pour savoir où il en était lui-même. Elle lui était nécessaire pour son orientation intérieure. Et c'est elle qui faisait certains grands choix. C'est elle qui souhaitait qu'on écrive sur tel aspect de l'œuvre de Jouve. Disons, il y avait une symbiose intellectuelle entre elle et lui qui était très singulière. Mais Blanche m'aimait beaucoup. Et c'est très curieux parce que je rêve souvent de Jouve et de Blanche. Et ça me donne une impression d'harmonie parfaite, alors que ce n'était pas le cas en réalité. Et puis, Jouve était extrêmement jaloux. Il disait tout le temps, « Ah, il y a tel qui a regardé Blanche d'une drôle de façon, qui a beaucoup de Mais ce fut le moment de la plus grande aspiration et de la plus grande force vers le but. J'étais orienté par deux objectifs fixes. D'abord, obtenir une langue de poésie qui se justifia entièrement comme chant. Et pas un des vers que j'avais écrits ne répondait à cette exigence. Et trouver dans l'acte poétique une perspective religieuse, seule réponse au néant du temps. Un mouvement vers le haut, un mouvement de conscience que je propose de nommer spirituel, se présentait à l'esprit par ces deux objectifs réunis. Ce mouvement n'a plus varié dans tout le cours postérieur de ma vie et de mon travail. La crise de 1922-1925 devait m'amener à faire cet acte de volonté que peu de personnes voulurent comprendre, rejeter en bloc tout ce que j'avais écrit et publié jusqu'alors. Je dois vous parler de Carona. J'avais alors en été une petite maison en haut de ce village, sur la colline qui sépare deux branches du lac de Lugano, à quelques pas de l'Italie. La beauté italienne ancienne du village, la nature exubérante de végétation verte, les châtaigniers majestueux accrochés sur les pentes et la brousse, en certaines parties, formaient pour ma rêverie un entourage extraordinaire de chaleur, de mystère amoureux.
C'est à Carona que je devais non seulement une partie du Paradis perdu, et parallèlement la toile de fond du second de mes romans, Le Monde désert. Je n'ai point oublié Carona, rose et vert, et ses églises romanes et baroques, ses cloches rituelles, ses paysans ivrognes et affectueux, ses vieilles chargées de hôtes, et ses belles filles qui ne duraient qu'un instant. Alors survint d'un coup Paulina 1880. Paulina, dans une couleur totalement imaginée, jaillissait de toutes mes mémoires d'Italie, spécialement de Florence, où je venais de passer 2 ans à peu près. Là est la première impulsion qui faisait de moi un romancier, une force de nostalgie. Parlons un peu de votre Italie. Vous avez passionnément aimé l'Italie. Oui, comme une femme. J'ai vécu à Florence dans maint endroit, mais surtout à Arcetri, derrière Torre El Gallo, où je fus quelque temps l'habitant de la villa Il Gioiello di Galileo, vaste villa un peu à l'abandon qui était celle où Galilée fut en exil et mourut. Là, je connus un ciel immaculé sur la terre rosée coupée de fuseaux noirs, la terrasse d'oliviers et de roses blanches, et la bizarre chambre bleue aux lourdes peintures, tout ce qui forme le cadre au crime de Paulina. Ce que je sais, c'est que Jouve travaillait comme un reporter peut le faire. Tout était d'abord mis en forme, extraordinairement épluché, extraordinairement enrichi de culture et de savoir. Par exemple, c'est clair qu'il a écrit La Chambre de Paulina après avoir écumé toutes les formes esthétiques des bleus qu'il a pu rencontrer en Italie. Je voudrais être pure comme l'acier ou comme l'eau. Au lieu de quoi, je voudrais me mortifier, blesser mon corps, tirer de lui tout le mal, élever mon âme. Oh non, pas encore. Voyez comme je suis folle. Je veux avoir le monde à moi. Milan, les lumières, les valses, les hommes. C'est trop beau. Je ne savais pas que c'était si beau. Pur, pur comme la glace et le couteau. Je n'aurai plus de corps. Pourquoi ne serais-je pas un ange, sans corps, sans désir? C'est folie. C'est doute. Voilà 3 jours et 3 nuits que cela me prend quand je me vois dans le miroir. Et cette nuit... La principale expérience de moyens réellement nouveaux se place entre 1926 et 1930, quand les circonstances me firent rencontrer la psychanalyse. Il y eut d'abord la traduction des 3 essais sur la théorie de la sexualité de Freud, traduction dont je m'occupais. Je n'ai pas passé personnellement par un traitement psychanalytique. La théorie psychanalytique et l'expérience psychanalytique ne sont pas des objets de poésie. Comme il ne peut y avoir aucun doute sur leur réalité, il n'y a aucun doute à avoir quant à l'influence de telles vives découvertes, leur retentissement direct sur le comportement de la pensée et les rythmes de l'existence quotidienne, le nouvel éclairage qu'elles projettent sur les mystères d'un esprit humain. Je ne craindrais pas de dire qu'il est probablement le premier à avoir pris au sérieux la psychanalyse et qu'il est le premier à s'être laissé orienter, guider dans le travail littéraire par la psychanalyse. Chez Jouve, avec Paulina, mais surtout avec Aventure de Catherine Crachat, on peut dire que la traversée du travail de l'inconscient, c'est le moteur même du récit. Quand j'étais petite, les histoires de bûcher m'enchantaient et m'effrayaient. J'y pensais pour m'aider à m'endormir. J'imaginais que j'avais un feu en moi et qu'il brûlait mes démons. Bien, c'est moi que j'ai voulu brûler. Quand on est né comme moi d'une naissance affreuse,
qu'on est faite de contraire. Qu'on se déguise pour vivre et qu'on joue le théâtre avec soi-même. Qu'on a envie de hurler ses peurs et ses chagrins. Qu'on est professionnellement belle. Qu'on est actrice de cinéma. Autant dire, bonne à presque rien. On est ce que je suis. Catherine Crachat. La psychanalyse découvre pour la science un certain territoire de l'inconscient. Le poète, lui, l'éprouve. Il l'éprouve, il en fait l'expérience et il est chargé de lui donner expression sans se laisser guider par les concepts de la psychanalyse. Écoutez bien, je me fous de la psychanalyse. Je suis un artiste. Je ne m'intéresse qu'aux cas humains et à la beauté que l'on peut faire avec peine et joie humaine. On devait pouvoir supposer l'existence d'une zone d'image que j'appelais inconscient poétique, zone génératrice et lieu d'inspiration selon les deux grands schèmes fondamentaux, Eros et Mort. Ose entrer après moi dans ces portes claquantes, où suffit la cheville ardente d'un regard. La grotte brune, avec le parfum du volcan, t'attend parmi mes jambes. Je suis la communiante des poils noirs, le regard inhumain, les soleils hébétés. J'ai traversé 20 fois sous un homme la mer, le sol gras de la mer et le bleu et les moires. Ton membre de lumière, mes globes de malheur, et l'œil couché sous une bouche décorée. Ce sont là mes plaisirs, mes vents, mon désespoir. J'ai ajouté à l'ouvrage Sueur de sang une préface, L'inconscience, spiritualité et catastrophe. Ceci m'a amené à connaître les rapports approximatifs de la poésie et de la vie inconsciente. Nous avons connaissance à présent de milliers de mondes à l'intérieur du monde de l'homme, que toute l'œuvre de l'homme avait été de cacher, et de milliers de couches dans la géologie de cet être terrible qui se dégage avec obstination et peut-être merveilleusement, mais sans jamais y bien parvenir, d'une argile noire et d'un placenta sanglant. L'homme moderne a découvert l'inconscient et sa structure. Il y a vu l'impulsion de l'éros et l'impulsion de la mort noués ensemble, et la face du monde de la faute, je veux dire du monde de l'homme, en est définitivement changée. La poésie est un véhicule intérieur de l'amour. Nous devons donc, poètes, produire cette sueur de sang, quelle élévation à des substances si profondes ou si élevées qui dérivent de la pauvre, de la belle puissance érotique humaine. Dis-la. Qu'est-ce qu'on voit? Une femme nue. Elle est bien nue? Absolument nue. On voit? On voit ses épaules. On voit sa ceinture. Ses seins. Petits. Plus bas? Chose, on la regarde trop pour la voir. Les beaux masques, qui est une série de fragments, indiquent peut-être davantage l'horizon funèbre de l'imagination de Jouve. Peut-être même voit-on là l'aveu d'une sorte de nécrophilie, mais qui passe par l'obscénité. L'obscénité délibérée, l'excès qui, dans ces textes, gardé secret, ne veut pas s'avouer, reste contenu. C'est presque un document pathologique, n'est-ce pas, d'une imagination qui veut aller de l'érotisme du corps possédé la mort de ce corps toujours possédé. Ce qui est sublimé dans le récit dans les années profondes, la mort dans l'acte sexuel, se reproduit dans les beaux masques, ou est déjà produit dans les beaux masques, avec une sublimation bien moindre, à l'état brutal. Oh, c'est une très grande écriture érotique. Il est de la famille des Apollinaire, des Batailles. Il écrit sur la sensualité, l'érotisme, l'émotion. Il y a pour lui, dans l'érotisme,
une recherche et un niveau de perfection qui amène l'être à se trouver au plus haut niveau de lui-même sur le plan spirituel et physique et spirituel. C'est-à-dire que l'émotion sensuelle pour Jouve est du même ordre que l'émotion spirituelle des grands mystiques. Te voici, mon époux de douleur. Mon agneau, Christ au cœur transparent. Un rayon plus lointain de paix va s'avancer et me blesser. C'est de ton cœur rouge. Il m'a dévoré. Il grandit. Il m'ouvre. Il n'y a plus d'agneau, il n'y a plus de Dieu. Il y a... Délice. Il m'a plongé dans l'amour profondément. Il m'a immergé dans l'amour amoureusement. Il y a un érotisme de l'émotion et de la sensualité dans les romans, mais peu d'érotisme vrai. Quand on aborde l'œuvre poétique, c'est comme si le poète avait le droit tout d'un coup de regarder un couple dans sa chambre et d'en parler. Je crois qu'on peut parler de sexe, de l'anatomie du sexe, tel qu'on peut l'évoquer avec le tableau de Courbet, par exemple. Et ce n'est pas de la pornographie, c'est de l'érotisme. Donc, il y a cet aspect, cette description poétique, mise en poème, je dirais, hein, cette transcription poétique de la sexualité, tant sur le plan des organes, ce qui est quand même extraordinaire, il y a des images autour du sexe de l'homme qui sont magnifiques, enfin. Et puis il y a la mise en poésie de l'acte, sous toutes ses formes. Si l'éros et la mort nous gouvernent ainsi, à travers leurs masses primitives et opaques, doit passer le chemin transparent d'une grâce. L'amour, avec sa culpabilité inguérissable, est assez grand seigneur pour que nous puissions reconnaître en lui l'esprit aussi bien que la matière et Dieu aussi bien que le diable. Il y a une thématique de la morte, mais qui a été possédée et dont l'approche a été véritablement une provocation à la possession. Une impudique provocation, d'où ce circuit du désir et de la mort, ce circuit de l'érotisme le plus déchaîné et de la mort qui ensuite appelle une sorte de travail intérieur de deuil, n'est-ce pas ? Peut-être que l'héroïne des Beaux Masques, comme l'héroïne de, dans Les Années Profondes, n'aurait pas cette stature si la mort n'était d'avance inscrite en elle. Et tout ceci appartient aussi à, la frange des interrogations qui ont occupé certains esprits dans les années 30, donc aux approches de la catastrophe, avec une angoisse où, tout à coup, l'urgence historique a supplanté la dramaturgie du désir personnel. Dans mon œuvre, il y a évidemment ce bloc qui s'appelle la défaite nationale. La défaite nationale a été un chagrin inouï pour moi. Partant de Paris avec l'idée de n'y jamais revenir, j'ai erré dans plusieurs pays et c'est en Auvergne, dans un village qui s'appelle, dans une petite ville qui s'appelle Brioude. C'est là qu'une nuit, j'ai entendu le premier appel du général de Gaulle. J'ai entendu l'appel même de sa voix. Ma volonté a été immédiatement prise et rien n'a pu changer de cette volonté pendant toutes les années qui ont suivi. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle créait un mot et une chose, résistance. Ce mot, cette chose spirituelle contre la puissance totale du démoniaque,
toute l'Europe devait plus tard les reprendre. Comme en 1793, le terme français « patriote » devait passer dans toutes les langues. Les mots, l'essence spirituelle imposée à un peuple, sont les dons d'un homme très grand, très profond, intimement lié par le symbole à la substance de ce peuple. Qui a troqué sa croix de Lorraine pour le portrait du maréchal? En vérité, tous les jours, la nation plébiscite la France combattante. C'est vers elle qu'elle se tourne, c'est en elle qu'elle se reconnaît, c'est d'elle seule qu'elle attend la direction de son combat. Jouve aimait les belles histoires. L'histoire de Gaulle, c'est une belle histoire. Le nazisme, les camps de concentration, on ne pouvait pas faire pire un Jouve que ça. C'est pas tant une position politique qu'une position spirituelle. L'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Jouve n'a jamais cessé d'être un poète de l'événement, ce qu'il avait été pendant la guerre de 14-18, intervenant de manière peut-être trop rhétorique à son propre jugement pour faire cesser le massacre de la Première Guerre mondiale. Par la suite, Jouve, tout en déclarant vouloir suivre la voie de la profondeur, la voie de l'intériorité, n'a pas cessé de rester un poète de la situation historique collective. Ouaine, ouaine verdoyante, et de l'été, le spectacle futur. Ouaine toujours verte, poussée du sol humide et de larmes trempées, après l'épreuve lente et sinueuse de la terre. Ils ont noyé ce cœur prenant de déshonneur, fait tomber l'arme qui défendait le sol pauvre. La liberté des pensives ornières a vu passer le pas affreux du faux berger. Ils ont rempli de sang la mairie et l'église. Ils ont forcé les femmes, ils ont tué 100 hommes pour un seul et retiré la viande de la bouche, enlevé le trésor, emmené les tribus entières, torturé les cœurs, torturé l'homme juste et le prisonnier. Ils ont couvert les colonnades d'ombre de mensonges. Ils ont tapissé les espoirs de mensonges. Ils ont mis le mensonge en les songes. Ils ont rempli le ciel d'aériens mensonges. Il représentait une pointe avancée des lettres françaises, quelque chose où le sentiment s'épurait, devenait aigu, tendu, et dans l'espacement de cette poésie régulière qui est la sienne, quelque chose d'électrique, quelque chose de dramatique se nouait avec le silence. Et pour nous, l'homme correspondait peu à peu à l'image de sa poésie. Moi, à l'époque où je l'ai connu, il entamait le classement et la mise en ordre de son œuvre. Il n'écrivait plus, il a arrêté d'écrire en 66. Il republiait, il publiait, il classait. Surtout, je crois, beaucoup travaillé sur l'ordre de l'œuvre. Ça faisait partie de son anxiété. Il avait peur qu'on ne le perçoive pas exactement tel qu'il était. Imaginons que nous ayons qu'une photo de Pierre-Jean Jouve et pas ses œuvres complètes, bien malin qui pourrait imaginer ce qu'il y avait réellement derrière cette photo. Le personnage de Jouve est à l'opposé de beaucoup de choses qu'il a vécues. Je vais vous donner un exemple. Il y a chez Jouve cet énorme fossé qui peut y avoir entre ces deux tableaux derrière moi. Jouve est à la fois cet homme, cette mélancolie lamartinienne un petit peu, où il est fatigable, où il doit s'occuper de lui, où il est même parfois pessimiste. Et puis tout d'un coup explose chez Jouve, mais très contrôlé, très décidé, très organisé, une vitalité, un appétit de la vie et un talent extraordinaire pour la mettre en scène. Et on arrive à l'autre tableau de Balthus, où on se dit, mais ce n'est pas le même homme. Vous me demandiez si j'avais une idée du mécanisme qui me conduisit au sujet de roman et ensuite guida le travail. Les deux rails qui m'ont porté, besoin d'aimer, besoin de mourir,
ont mené au point où certains personnages surgissaient en une région commune de ces personnages. Le milieu social, le milieu historique leur était presque étranger. Par contre, le lieu, l'espace où ils vivent, était toujours d'une importance extrême. C'était l'humus d'où sortent ces personnages. L'Italie, Milan, le lac de Côme, Florence, pour Paulina. Genève et le Tessin, pour le monde désert. Vienne, l'Autriche et le lac Eipsee en Bavière, pour Hécate. Sollio, dans le Val Bregaglia, pour le récit dans les années profondes. Au contraire, un lieu surnaturel est composé autour de Vagadu, autour des histoires sanglantes, et tout particulièrement de la victime. Et toujours, toujours et toujours, il y a cet épuisement, cette ardeur qui se consume, cette intensité qui doit se traduire à un certain moment en transparence, en regard vers l'altitude. D'où l'importance du paysage d'Engadine, de ces sommets si légers, si découpés, si abrupts aussi, cruels comme des couteaux, et l'azur au-dessus, avec quelques bouquets de mélèzes ou quelques bouquets d'arôles, paysage chinois que je aime beaucoup. Maloya, dans la promenade des poètes, Jouve m'arrêtait pour me dire « mais c'est un paysage chinois, un orient de l'âme, n'est-ce pas ?» Il pleut sur un lac tout ébrouillé, et derrière un pas feutré, le tonnerre. De grandes bandes folles font s'effilocher les rocs les plus durs, tandis que l'eau est lisse comme une vierge. Je promène un chagrin de plusieurs siècles, en observant l'air vif sans vent sur mon visage. Il n'y a personne en ce pays. Tout y est perte, fantôme, absence après la mort. Il n'y a plus même le chagrin dont j'ai parlé. Alors c'est là que précisément le choix poétique se marque. Jouve finalement ne se sentait pas de taille à faire, son grand modèle du roman étant Tolstoï, à faire ce qu'avait fait Tolstoï, c'est-à-dire tout un monde réel autour de son personnage. Mais du coup, il fallait bien que son personnage soit situé, et il le situait dans un décor, pour ainsi dire, peint. Le décor du mythe d'Hélène, c'est Sollio, c'est ce contraste entre l'altitude et la région chaude des châtaigniers au bas du Val Bregaglia. Il lui fallait ce décor-là. Hélène est liée aux régions les plus intimes de mon expérience, à plusieurs amours de ma vie, dont l'un au moins eut une fin tragique. Elle fut composée par plusieurs figures de femmes éloignées l'une de l'autre. Une Hélène vivant dans ce pays, entre deux princières maisons qui se trouvent, l'une dans la vallée basse et l'autre au cœur de ce village prodigieux. Je revins en Gadine et à Sollio. Je m'enfermai dans une maison du Fextal qui rappelait les grandes demeures d'en bas, et j'écrivis dans les années profondes d'un trait avec une émotion extraordinaire. Oui, il était très admiratif du côté composé de ce paysage, l'équilibre des deux parties de la vallée, les symétries. Il découvrait là une nature qui s'était construite elle-même comme une grande œuvre d'art. Et cette jonction de l'art et de la nature dans le paysage d'Engadine lui faisait considérer le lieu comme un grand opéra. Le lieu était non seulement une scène d'opéra, mais incarnait une dramaturgie figée, une dramaturgie éternisée. L'idée fabuleuse d'opéra avait éveillé dans mon esprit une passion vive. Était-ce la réunion de mes deux désirs principaux, musique et poésie? Je fus donc amené à tenter cet impossible, faire le portrait d'un opéra. J'étais attiré vers Berg depuis longtemps. Lorsque j'eus vu Wozzeck, je sentis une correspondance profonde avec Don Giovanni sur ces points. Rapport exact entre une forme musicale rigoureuse et un drame souterrain, particulièrement influencé des forces inconscientes.
je rencontrai le musicien Michel Fano. J'eus la chance de lui faire partager le principal de mes vues, de voir coïncider nos mécanismes. Et je reçus de lui la connaissance exacte, méticuleuse, de toutes les articulations. Connaissance totalement indispensable pour nommer ce que j'avais vu. Jouve a immédiatement cadré notre collaboration par des rendez-vous pris à l'avance deux fois par semaine, très précisément de 14 à 16 heures, le mardi et le vendredi, si je m'en souviens bien. Et nous avons commencé ce travail d'analyse, je dirais presque avec le cérémonial de l'analyse au sens psychanalytique du mot, n'est-ce pas ? Puisque vraiment, il ne s'agissait pas de changer un rendez-vous ou quoi que ce soit, il fallait respecter les formes qui avaient été mises pour ce travail. Le but était de faire l'analyse de l'œuvre. Bon. Mais contrairement aux ouvrages de ce genre, qui sont très utiles pour les spécialistes et absolument illisibles pour la majorité des gens, il voulait trouver une écriture poétique, si vous voulez, qui traduise très précisément la structure, mais en donnant le résultat de l'émotion. C'est-à-dire de donner l'envie aux gens de voir l'opéra et d'écouter la musique. Et commençait alors un travail de musicalisation de son texte. C'est-à-dire qu'il voulait donner à son écriture, si je puis dire, un aspect lyrique. La note absolue constitue une des choses effrayantes que la musique d'Alban Berg parvient à réaliser. Et la plus effrayante, sans doute, que la musique ait voulu saisir dans la simplicité absolue. Lorsqu'elle se fait onde hurlante, la note prend sa signification totale. La note si est devenue meurtre. La note absolue reliant Wozzeck et Marie est meurtre rituel accompli, à présent chose mortelle, ineffaçable qu'il faut expier. C'est le meurtre en tant que conscience du meurtre qui est musicalement hurlé devant nous et en nous. Le rythme s'était montré déjà sous le couteau levé de Wozzeck entre les deux ondes de la note absolue. Il est le cœur de l'accusation, le cri du sang de Marie. Nous avons devant nous le conglomérat de terreurs élémentaires dans quoi rien ne se distingue plus entre tabous. Conscience du meurtre et accusation agressivité justicière, cri de la victime. Nous subissons la grande terreur du meurtrier, contrainte qui ne porte pas de nom. Le Wozzeck de Berg est évidemment un opéra d'une rigueur extraordinaire dans la composition. Le Don Juan de Mozart, Jouve l'avait lu en essayant de relire dans certains numéros de l'opéra des mouvements musicaux, des signes qui étaient déjà apparus précédemment. Sa vision très particulière de Mozart comportait aussi quelque chose qui en faisait un génie fraternel, le sacrifice, le dépassement, l'acceptation de la mort, la joie d'avoir traversé la mort, la joie d'être parvenu au-delà de la condition mortelle, mais au prix de toute la dépense de l'énergie mortelle. L'allégresse, mais l'allégresse d'un au-delà du tombeau. Et il y a quelques poèmes dédiés à Mozart ou évoquant Mozart qui évoquent cette main tendue à la statue du commandeur, cette main tendue au-delà des limites de la vie. Thank you.